Good morgen, Aleïdan, les suisses aujourd'hui, le Nishma Traester, Bat Miriam, c'est que dur fat, Olivia, Ishal, Shimon, Ben Traester, Jadmir, Bat Roselena, Bin Bin, Ben Chibiba, et Esther, Beila, Batraya, Verda, Tzipora. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude du Mishnah à contacter les 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet, Erovin, Perikud, Mishnah Tet. Lo Yamod, Adam, Birshut, Ayachid, Viftach, Birshut, Harabim, Birshut, Harabim, Viftach, Birshut, Ayachid. Ela Imken, Asa Mechitza, Gvoha, Asarat Fahim, Divrei, Rabbi Meir, Amrulo, Maase, Bishuk, Shal, Patamin, שהי בירושלים, שהיו נועלין ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח. רבי יוסי אומר, שוק של צמרים היה. On a une משנה qui va reprendre un petit peu le sujet qu'on avait évoqué déjà dans les משניות דלת, היי, וו, plusieurs sortes de משנה autour du même sujet, à savoir être dans un domaine et agir dans l'autre domaine. À titre de rappel, on avait appris par exemple, là-bas, dans la Mishnah d'Alet, c'est la première, par exemple, où si je suis dans le Rishut Hayachid, je peux déplacer quelque chose qui est dans le Rishut Harabim. Si je ne le fais pas déplacer à plus que 4 amot. Alors seulement si je suis dans le Rishut Harabim, je suis redéplacé. Par contre, pour boire, c'était plus délicat. Parce que boire, t'intéresse à boire où tu es. Donc même si dans ta tête, ça ne suffit pas, il fallait sortir plus ta tête. La majorité de ton corps. C'était la Mishnah qui nous enseignait. Selon le même principe, on a une Mishnah qui parle du même sujet, où on va découvrir à présent qu'il y a une marloquette, et effectivement, ça va en fait dire qu'il y a une marloquette sur tous les cas de figure qu'on avait. Lo yamod adam birshut hayachid viftach birshut harabim. Un homme ne se tiendra pas dans le rishut hayachid, dans le domaine privé, et ouvrira quelque chose dans le rishut harabim. Je ne sais pas comment il faisait à l'époque avec les clés. En tout cas, il y avait une situation où je suis moi dans le rishut hayachid, et je dois sortir ma main à l'extérieur pour pouvoir ouvrir une porte en faisant entrer la clé par l'extérieur. Ou inversement encore, Birshut Arabim, Viftar Birshut Ayachid, je suis dans le domaine privé et public, je rentre ma main dans une petite lucarne, je prends une clé, je la plie et j'ouvre ainsi le Rishut Ayachid. Et la Mishnah me dit, c'est le Rabbi Meir, comme on va voir tout de suite que c'est Rabbi Meir qui parle, la Mishnah me dit, je ne peux pas le faire. Et la Imken Asa Mechitza Gvoa Asarat Fahim, à une exception, c'est si tu as fait une Mechitza Gvoa Asarat Fahim, c'est-à-dire que tu veilles à ce que, à l'endroit où tu te tiens, tu as fait une mechitza, qui va faire que maintenant tu es plus dans le reshut harabim, divrei Rabbi Meir, t'es la vie de Rabbi Meir. D'accord, je récapitule très simplement. En fait, Rabbi Meir, putain, on découvre maintenant Rabbi Meir qui est très mahmir sur le sujet, qui nous dit en fait, tu n'agis pas dans, si tu es dans un domaine, tu ne peux pas agir sur l'autre domaine en déplaçant des objets, même si concrètement tu rends ta main pour prendre une clé qui est posée sur un rebord ici dans le coin, et pour la plier et puis aller ouvrir de l'autre côté, sans la porter vers toi, parce que cette porte, c'est une porte qui s'ouvre que de l'intérieur, par exemple. La Mishnah me dit, malgré tout, Rabbi Meir me dit, tu n'as pas le droit de le faire. D'accord? De peur que tu vas rapporter la main vers toi. Mieux que ça, la Mishnah, elle a parlé littéralement de Rishut Arabim, mais Chachamim comprennent qu'on n'est pas obligé de parler de Rishut Arabim. De Rishut Arabim, on peut même parler aussi de Carmélite, même sur ça, Rabbi Meir, il va interdire. Pour comprendre la suite, j'ai introduit la suite là dans ce moment. Carmélite, c'est un domaine qui est pas vraiment, qui est public, mais qui est pas, qui remplit pas les conditions pour être un vrai domaine public de la Torah. Il n'a pas la largeur requise, ou comme ce qu'on va voir tout de suite avec Yerushalayim dans 30 secondes, où il n'a pas les conditions requises pour être un interdit de la Torah. Chachamim ont compris que Rabbi Meir interdisait, même, malgré tout, que tu n'agis pas dans le domaine du Rishut Hayachid sur le Carmélite, de peur que tu vas pouvoir porter la clé, tu vas transgresser un interdit de Rabbanan. Ça, c'est Rabbi Meir qui le pense. Sur ça, il y a Rabbi Meir qui vont dire, c'est pas comme ça. On a une preuve à l'appui que Maase Beshuk Shel Patamin. On a une preuve qu'il y avait, il était une histoire, c'était l'histoire, Maase. Il y avait une histoire comme ça avec Beshuk Shel Patamin au marché des, j'ai pas trouvé le bon mot, c'est un endroit en fait où on graisse les oies, pour les volailles pour ensuite les égorger. On graisse les animaux, tout en animaux pour les égorger. Donc c'est une sorte de boucherie, on continue d'élever malgré tout un petit peu. En tout cas, la boucherie, allez, on va traduire comme ça. Maase Beshuk Shel Patamin, il y avait une histoire avec le marché des abattages, de l'abattoir, que Shaya Birushalayim, ce lieu-là, il se trouve à Yerushalayim, et Shayu Noalin Omanichin Atamafter Bachalon, Shalgaba Petar. Dans toutes ces petites bastotes, dans tous ces petits magasins là-bas, l'usage il était, chacun avait sa petite planque où est-ce qu'il mettait la clé, pour ensuite chercher la clé dans un petit rebord dans le coin, pour ensuite la plier et puis aller ouvrir la porte depuis l'intérieur.
Ça, tout le monde le faisait. Voilà la rétorque de Chachamim. On va l'expliquer dans 30 secondes, mais d'abord j'avance avec Rabbi Yossi Omer, Shukshal Tzamari Maya. Rabbi Yossi nous dit non, ce n'était pas un marché des abattoirs, des abattages d'animaux, mais c'était un chouk où on vendait de la laine. Et que le Shabbat même, lorsqu'il fallait ouvrir le petit magasin, eh bien, il se permettait de l'ouvrir en mettant la main, comme ce qu'on a expliqué. On explique un petit peu mieux maintenant. Chachamim, en fait, comme je vous dis, Chachamim ont compris que Rabbi Meir, il interdit aussi bien Birchut Arabim que Bekar Melit. Et Chachamim viennent et disent, écoute-moi, même Bekar Melit, c'est permis. Yerushalayim, il a un statut de Carmélite. C'est pas un vrai Birchut Arabim. Pourquoi? Même si là-bas, on avait il y avait des rues qui étaient larges de 16 amas, mais puisque c'est entouré par une muraille et des portes qui se ferment la nuit, concrètement, ils fermaient les portes tous les soirs, eh bien, ça fait que les portails de la ville, ça fait que maintenant, cette ville, elle est considérée comme un reshut minatoration, comme un reshut ayachid, mais en réalité, puisqu'il y a malgré tout beaucoup de monde qui passe, c'est considéré comme un carmélite. Il y a un interdit des rabbanan. Et malgré tout, moi, je sais très bien, on m'a raconté depuis que je suis tout petit, personne ne contredisait cette histoire, où les commerçants là-bas qui avaient besoin d'ouvrir leur magasin pendant Shabbat, pour aller chercher quoi que ce soit dedans, eh bien ils avaient l'usage d'ouvrir et de fermer en utilisant la clé, en se tenant dans la rue, donc qui n'est pas Rishut Rabim, qui est Carmélite, et qui se permettait de le faire. Toi, Rabbi Meir, t'interdis tous les cas, nous on permet au moins ce cas-là, mais en réalité, le Tiferet Israël, Melechet Shlomo, rallonge pour nous dire que Rabim, il permet tout complètement, comme ce que c'était forcé, la Mishnah, qu'on avait codé la Mishnah en haut, où on ne craint pas un objet que tu n'as pas d'intérêt à l'avoir chez toi, on ne craint pas que tu vas la reporter vers toi. Du coup, la clé t'intéresse à ce qu'elle reste dans la petite bicoque, tu fais entrer ta main dedans, tu récupères la clé, tu ouvres, tu la laisses dans la bicoque, tu as le droit de le faire pendant Shabbat. D'accord? Ça c'est la vie de Chachamim. Tandis que Rabbi Meir, il a toujours Mahmir de peur qu'il va remporter la clé chez lui. Donc Rabbi Chachamim, il y a juste une petite marloquette, c'est un peu délicat, quel est le point de marloquette entre eux. En tout cas, Chachamim nous dit qu'il y avait donc le marché des volailles, des abattoirs, des abattages. Et Rabbi aussi nous dit non, c'était pas, c'était plutôt un chouk shel tzamarim, c'était plutôt un marché où on vendait de la laine. D'accord? Et là-bas, il y avait la même histoire, où les gens, les commerçants, et personne ne leur reprochait quoi que ce soit, le fait de faire rentrer la clé, de faire rentrer la main à l'intérieur, prendre la clé, d'ouvrir, puisqu'il n'y a pas de crainte que tu vas la rapporter vers toi. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.